On passe au blind test. Et au platine, j'accueille Monsieur Philippe Corti. Oui. Est-ce que tu serais venu tout seul ou quoi? Alors, j'ai même fait beaucoup mieux, Thierry. Oui. Nous sommes à l'époque de la mondialisation. Oui. D'accord? Oui. L'Angleterre! Oui! On est diffusé grâce à TV5 dans 87 pays. En Inde aussi. En Inde aussi. À Bombay. Oui. Tu dis. Oh là 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 là. Allez, les pièces. C'est le retour ou pas? Ouais. Tu dis, mesdames, messieurs. Thierry. Oui. On est diffusé à La Réunion et en Comorie. Oui, oui, oui. Nadia. Oui. Nadia. Royal. Philippe Corti, Royal. Bonsoir, mademoiselle. Un bisou. Voilà un garçon qui ne vient jamais les mains vides. C'est bien Philippe Corti. Bonsoir, mademoiselle. On est diffusé en Espagne, à Madrid. Oh, bien sûr, oui. Clémence. Bonjour, il vient de casser ta porte pour avoir ton carnet d'adresse. Ouais. Alors, vous connaissez le principe du blind test, mes amis. J'ai eu raison de mettre tes lunettes, Marina, parce que c'est le moment. Pour écouter. Oui, c'est le moment important. Écoute, donc, ça sent bon. Je veux l'interprète. Oui. Attention. Et on peut donner un indice. Si les gens ne trouvent pas, c'est un spécial Italie. C'est un spécial Italie, voilà. Richard Cocciante. Ben, il n'y est pas. Voilà, bien fait. C'est bien comme exemple parce qu'il n'y est pas, ça tombe bien. Et attention, si quelqu'un souffle ici, le point va là. Quoi? Et si quelqu'un souffle là? Quoi? Ah oui, il va là, oui, d'accord. Oui. Ah oui. D'accord. Très bien, Barzotti, il est belge. Hein. Il n'est pas là. Mais il n'y est pas. Nous ne faisons jamais d'erreur dans le blind test. Jamais, jamais. Alors attention, Laurent, tu es prêt? Tout le monde est prêt, Momo? Amore mio. Philippe. Oui. Guy A. Lepage. Qui va présenter une émission au Québec qui va s'appeler... Comment, pardon. Laurent Baffie. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Bien. Caris. Attention. On se concentre comme à Langman. On se concentre, mes enfants. Monsieur Dubosc. Attention, Philippe. Morceau numéro 1. Je veux l'interprète. Révélation. Je vais te dire, un blind test de Corti, c'est ce qu'ont les mecs qui sont kamikazes quand ils se sont fait sauter pour l'islam. Ils ont droit à ça, voilà. C'est vrai. Et nous, on l'a. Est-ce qu'elles sont vierges? Oui, elles sont bien sûr. On vérifiera, Thierry. Ah oui, ça, on va vérifier tout à l'heure. Philippe, alors, numéro 1, donc c'est Laurent Baffy qui marque le point. Comme d'hab. À toi, Philippe, numéro 2. Oui. Andrea Bocelli. Oh merde, c'est lui qui m'a dit. Pavarotti? Non. Ah, mais Eros. Ouais, bravo. Momo.
Bravo. Révélation. S'il te plaît. J'ai dit. T'as dit quoi? J'ai dit. Non, on ira mal à la tête. T'as dit quoi? Ça fait je le connais deux hyper points bien. Pour l'équipe de Laurent Baffi, c'est bien ça. Hein ouais. Et zéro point pour l'équipe de Marina Foïs. Deux points pour l'équipe de Laurent Baffi, mais c'est pas grave, tu peux te rattraper, Marina. Mais on peut pas, on a dit tous nos chanteurs italiens, on les a tous écumés. Il y en a un autre, mais il est au fond de mon cerveau, faut qu'il revienne. On va revenir. Attention, Philippe. Thierry, t'as vu, je ne fais plus rien. C'est elle. Toto Cotugno. Non. Non. Barzotti. Barzotti. Felicità. Massimo Ranieri. Ah oui. Ricci et Poveri encore. Frédéric François. Je crois que c'est Albano et Romina Power. Bravo! 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 Bien sûr! Bravo! C'est la fille de Tyrone Power qui s'appelle Romina Power. Ouais, absolument. Non, mais on n'avait pas dit les duos, nous on cherchait un nom seulement. Hein. On n'a pas dit les duos. Hein. Non, mais c'est connu ça. Ouais, non. Oui, c'est connu. On aurait pu le trouver. Tout on aurait de suite à eux, mais on a... bah, le point va là, puisque ça a été trouvé là. Ah bah non, c'est nul, le point va là. Elle ne l'a pas soufflé. Le point va du côté où ça a été trouvé. Ah bah oui. Oui, ça n'a pas été soufflé. Bon d'accord, Frédéric. Alors, donc le point va là, Amélie. Thierry, c'est Frédéric qui décide. En même temps, c'est logique, c'est moi qui les ai trouvés, elles vont chez moi. Bon, attention, continue, Philippe Corti. Serge, à qui tu donnes le point? À Baffi ou à Marina? À Marina. Il a raison. Moi aussi, je l'aurais donné à Marina. Tu vois, c'est marrant. Attention, Philippe, go. Bien, Toto Cutugno, bien. Ouais, c'est comme le 7 à la boule, à un moment donné il sort. À un moment ça sort. Attention, Philippe. Salut, Tano. Ouais, Daffy. Révélation. Trois. C'est très bagarré ce soir. Mais 3-3 pour qui? Le Rital est populaire. Je sais pas l'ordre. Ah, je t'adore, Philippe. Oh, il essaye de me demander les titres. Et ah ouais, avec Thomas, c'est un producteur. Ouais, mais il essaye, tu sais moi que... C'est un producteur. Je suis sûr que t'en as pas un de Poupo. Ah, non, mais il y en a un, deux. Paolo Conte. Ah, tu verras. Orlando et
exige le clip, Thierry. Ah, Orlando, il peut exiger ce qu'il veut. Non, elle n'est pas italienne, elle est égyptienne. Tout à l'heure, on a des Miss Rousseau le prochain. Bah oui, mais après, elle est égyptienne d'origine italienne quand même. Ah, ouais, okay, bah oui, ah bah oui, genre Dalida, oui. Bien, c'est bien dirigé, bien italienne. C'est des chansons italiennes, ça peut être un américain. Alors, Baffi, on devrait lui demander les dates quand c'est comme ça. Ouais, Baffi, date de sortie. Trop fort. Trop fort. C'est pas impossible. Oui, c'est non, pas impossible. L'original est 54 en plus. Philippe. Oui, madame. Saskia. Patrick François. Non, j'adore ça. J'adore cette chanson. Ça c'est pas un petit chant. Laura, Laura. Oui, oui, oui. Laura. Ouais, bravo, bravo. J'adore ça. Laura Pausini, la solitudine. Bien, on continue. Philippe Corti. Madame. Paolo Conte. Faudra la mort. Rincon. Paolo Conte. Paolo Conte. Nino Rota. Ouais. Ma vie, ouais. Bravo. On peut applaudir fort. Ouais, on peut applaudir. Laurent Baffi. Baffi impérial. 6 pour Baffi. Enfin, pour l'équipe de Baffi, parce que c'est vrai que Momo aide un peu quand même. Oui, c'est vrai. Et 3 pour l'équipe de Marina Foïs, Franck Dubosc et notre ami Thomas Langman, qui a plus de succès avec double zéro. Et lui, il n'a pas de prénom. Rachid, oui, il a un prénom, mais il n'a rien trouvé, Rachid. Si, moi non plus, j'ai rien oui, trouvé. Oui, Frédéric François, mais il n'a aucune chance d'y arriver. En rappelons. Parce qu'il n'y a pas Frédéric François, je peux te le dire, dans le blind test ce soir. Rappelons la règle, Thierry. Rappelons la règle, ils peuvent jouer aussi. Ah, ils peuvent jouer, tu oui, bien sûr, ils ont le droit de dire des trucs. Tu as raison, Philippe, c'est important de le dire. Attention, Corti. Rachid, reste sur le bravo. Côté. Bravo, Rachid est bon. Hein. Sur ce coup-là, je dois dire, il a planté Baffi. Ouais, Rachid, trop fort. Elena, Saskia, très fort. Elles connaissent tout. Je suis désolé, mais enfin, on n'a pas les prénoms, là. Ah, si. Saskia. On a les prix. Pardon. Saskia. Saskia. Mélina. Mélina. Judy. Comment il fait? Clémence. 80 euros, là, tout Nadia. D'accord, merci, Philippe. Le portable, c'est après. Voilà. D'accord. Bon, on continue, Philippe, attention. Numéro. Paolo Conte. Voilà. Alors, grâce à Thomas Langman, on est à 6-5. 6 pour l'équipe de Laurent Baffi, 5 pour l'équipe de Marina Foïs. Alors, on continue. Attention, Corti. Oh là là là. Bravo, oh là là, Marina. Bien, dur. Là, et à un moment donné, il faut s'arrêter. C'est plus un jeu, c'est de l'humiliation. Je suis désolé. Ah, c'est pas ça, c'est bien. Alors là on est à 6-6. Voilà. À la fin du par équipe, on est à 6-6. Ce qui veut dire que l'équipe de Laurent et l'équipe de Marina font match nul. Yes. Et un petit peu comme la France contre la Croatie jeudi dernier. Ah, ouais. Tu te rappelles jeudi dernier? Un jeudi dernier. Incroyable. Ouais. Heureusement qu'on n'enregistre pas le jeudi parce qu'on aurait raté le match. On était baisés là. Ça c'est con. Non. Heureusement qu'on est en direct. Non. Ça, c'est la force du direct. Voilà, hein. La magie du direct. Faut rien dire sur les Anglais. Hein. Ouais, non, mais les Anglais sont très bien. Ils ont battu le record des Italiens pour boucher le champagne. Tiens, pif, paf, tac. On a gagné, on a perdu. Donc, à l'issue du par équipe, on est à 6-6. Et maintenant, on passe au chacun pour sa gueule. Ok, j'y vais. Merci. Attention, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus d'équipe, hein, c'est clair. Donc, maintenant, c'est chacun pour soi. Corti, à toi pour le banco. Saskia. Hey,
L'aveugle, le mec aveugle. C'est lui l'aveugle. Tour. Stevie Wonder. Red Charles. Vous connaissez que lui, on connaît que lui. Vas-y. Je crois que le point est légal parce que Pagny paye ses impôts en Italie, donc je pense que ça... Ah, attendez, attendez, Catherine, ah, attendez, attendez, Catherine, et vous les invitez à manger Catherine Barma adore cette chanson, oui. Et voudrait que tu passes la révélation un petit peu plus longtemps, Catherine adore. Qu'est-ce que ah oui, mais moi, il suffit de me dire. Hein. C'est Catherine. Ouais, ben, montant, c'est la chef, hein. Ben, c'est la chef. Voilà, c'est tout. Tu vas pas te faire... Le slow. Oh mon Dieu, mon Dieu. Bien. Donc, le banco a été remporté par Mr. Rachid. Et voilà. Il était même pas prévu au début. Ah. Bravo. On passe au super banco. C'est très, très, très difficile, Laurent. Je pense que peut-être Agathe Godard peut trouver, parce que c'est notre époque, chérie. C'est l'époque où on écoutait des trucs comme ça, chérie. Ah. Vas-y. Même la radio était en noir et blanc. Ouais. Go. Alors Mohamed. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bobby Solo, il a dit. Alors c'est un spécial rebeu parce que le premier c'est Rachid, le deuxième c'est Mohamed et vraiment... C'est la discrimination faciale. C'est les rebeux qui viennent piquer les bancos des Français, je sais. Bien, alors on passe au méga banco maintenant. Ah, c'est hyper dur. Ça va à peu près jusqu'à quand le banco? Jusqu'au l'ultra banco, mais de toute façon tu ne trouveras pas, cherche pas. C'est très très dur. Corti. Go. Americano, americano. Claudia Cardinal. Ouais. Et je l'adore. Je le crois pas. Donc, ouais, il a vu les fiches avant. Je l'ai menacé avant. Le mec, il a quand même été au grand banditisme pendant des années. Moi, j'ai des potes qui connaissent pas la prison. Bien. Donc, c'était Sophia Loren. Et là, je vois que ça fait quand même 2 pour Momo. Ah, Momo le turbulent qui marque 2 points. Momo le boxeur qui marque 2 points. Et là, on arrive maintenant à l'ultra banco. La personne qui trouve ça repart avec toutes les filles. Repart avec toutes les filles. Non, franchement, je pense que... Je vais jouer, je vais me défoncer. Bien. Alors, attention, tout le monde est bien concentré. C'est très, très, très difficile. Moi, j'ai du mal. Agathe, tu dois trouver ça. Merde. Elle dort. Mais non, voilà. Non, je dors pas, mais c'est dur. Attention, Philippe. Énorme tube dans les années 60. 60. In the 60. Dalida? Cinquetti. Oui, l'homme va vite. Non, il l'a dit. Dis-le la Cinquetti.
Baffi. Laurent Baffi, voilà, un dieu. Un dieu vivant. Un dieu vivant. Voilà. Je vais faire comme Jacques Martin. Le dimanche, Jacques Martin était content. Oui. Voilà. Là, Laurent, tu es un dieu vivant. Merci. Dieu existe. Il est sur le plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci, Laurent Baffi. Merci à vous. Merci. Enfin, c'est film sorti, moi. Film sorti, moi. Voilà. Donc, à l'issue des Chacun pour sa gueule, Rachid 1, Momo 2. Bravo, Momo. Merci. Bravo, Momo. Et le plus difficile a été emporté par Laurent Baffi. C'est l'ultra méga banco, voilà. Parce que le monde est injuste. On ne l'a pas dit cette fois. On le dit maintenant. Alors on le dit maintenant. Pourquoi, Laurent? Non, c'est à toi de le dire. Pourquoi, Thierry? Remets-toi dans l'ambiance. Parce que la vie est injuste, Laurent. Il faut qu'on parle du méga banco, tout ça, que c'est pourri. Que c'est quand même terrible, ce banco, où franchement, c'est chacun pour sa gueule et... Et pourquoi c'est comme ça, Thierry? Parce que la vie est injuste, Laurent. Ouais, on l'a moins bien fait que d'habitude. Le fait de le faire après, ça nous a bloqué, je trouve. Quand tu sais pas, ça passe bien. C'est pas encore en montage. En tout cas, c'est terminé, Thierry. Ah oui, c'était tout. C'est la fin de l'émission. Et il n'en reste plus qu'une, et après, c'est la quille, bordel. Ouais. Ça, c'est vrai que c'était l'avant-dernière, c'est la pire. Parce que la dernière, c'est la dernière. Mais l'avant-dernière, c'est la pire. C'est la merde. Elle était tu pas mal bien, d'ailleurs. Non, je trouve que pour une avant-dernière, Laurent, elle était pas mal. Et vous recommencez l'année prochaine? Oui. Non. Au Canada. Au Canada aussi. Voilà, c'était Tout le monde en parle. Avec Laurent Baffi, Thierry Lhermitte, qui perd gagne, de Laurent Benegui avec Thierry Lhermitte, Elsa Zilberstein, le 23 juin, dans un cinéma près de chez vous. Et aussi pour Thierry Lhermitte, l'Américain de Patrick Dempsey, avec Thierry Lhermitte, Laurent Deutsch, Émilie Dequette, sorti le 7 juillet. Victoria Abril, cause toujours de Jeanne Labrune, avec Victoria Abril, Jean-Pierre Daroussin et Sylvie Testu, le 28 juillet. Et Victoria Abril est aussi la marraine de l'association Orphanage Africa. Michel Mouillot, tous mouillés. C'est Michel Lafon, Franck Dubosc, Au secours, j'ai 30 ans, de Marianne Chazelle avec Franck Dubosc, Pierre Palmade, Nathalie Corée. Ça sort le 23 juin. Franck Dubosc, romantique en plus. À partir du 14 septembre au Bataclan, jusqu'au 5 janvier, et à partir du 5 janvier, en tournée dans toute la France. Franck Dubosc, voilà. Salam Pax, Bagdad Blog, chez Hachette Littérature. Alexandre Adler, l'Odyssée américaine, c'est Grasset. Marina Foïs, Je me sens pas belle, de Bernard Jean-Jean, avec Marina Foïs et Julien Boisselier, le fameux Julien Boisselier. C'est le 4 août, mais elle est à poil. Marraine de la 20e édition de la fête du cinéma, les 27, 28 et 29 juin. Encore faut-il le dire. Cool and the Gang, l'album s'appelle The Hit Reloaded et le single s'appelle Fresh. Et ils sont les 9 et 10 juillet à l'Olympia. Agathe Godard, Meurtre dans la Jet Set chez Michel Lafon. Ça sort le 1er juillet, voilà. Et Cortier au Blind Test, mon ami, Monsieur Philippe Cortier, voilà. C'était Tout le monde en parle, ciao, à la semaine prochaine.